Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z AOZ. Les amis, aujourd'hui comme promis, on va s'attarder sur le niveau 14 du mode Tower Defense. Je ne l'ai jamais essayé encore, ça va être la première avec vous. On va voir, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas, et est-ce qu'on va se faire éclatax au troisième sous-sol. On va le savoir très rapidement. Avant cela, j'ai déjà bien mangé mes dents, je me suis connecté et j'ai vu un rapport de combat RSP pas la gacha et ses potes m'ont bien défoncé la bouche. Alors là, je ne comprends pas. Comment faites-vous pour ne jamais vous faire rouler dessus? Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Les mecs viennent me piller rien. En plus, regardez, ils me prennent 3 fois rien en ressources. Juste, ils me déglinguent mes unités, ils m'en tuent pas mal. C'est vraiment relou. Donc si vous avez des astuces, je suis preneur, excepté monter en puissance. Alors j'y vais à fond, je fais mon max. Mais les mecs doivent jouer depuis déjà 2 ans, donc forcément ils me roulent dessus. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner les amis. Je crois que je vais essayer de rentrer chez les RSP parce que là je fais toujours la même erreur. Ou même les PCP aussi, ils me roulent dessus. C'est assez relou, donc n'hésitez pas à me donner vos astuces. On va foncer sur ce niveau 14 et voir si on peut réussir à le passer. Et le but est, et bien évidemment, on n'essaye pas le niveau d'après tant qu'on ne débloque pas en 3 étoiles. C'est la règle, c'est comme ça. La perfection, si non rien. Et on est en mode, si, j'ai du mal hein, ce matin. Et on est en mode difficile, bien évidemment, en mode hardcore. Sinon, ça ne sert à rien. Allez, c'est parti. Il me dit que j'ai les tours laser niveau 4 à présent. Ça, c'est bon. Alors, on va mettre une petite pause hein, parce qu'on va déjà observer ce qui se passe. On met une petite pause, on se mettra en x2. On va se remettre en x1 d'abord. Alors, ça va sortir de là dans 8 secondes. D'ici, dans 8 secondes également. Donc, après, ça sortira d'ici aussi. Et le but est de protéger là. De manière assez simple et intelligente, je dirais qu'il faut commencer par blinder cette zone-là, puisque ça nous évitera de manger le rush ici après. Donc ces 4-là, même ces 6-là, après, mais d'abord ces 4-là, c'est là qu'on va commencer. Donc on va commencer par mettre ici. Les lasers nous ont pas mal aidé, en plus ils nous le débloquent en niveau 4, ça veut dire potentiellement il doit y avoir moyen de moyenner, moyen de faire quelque chose de bien en mettant les lasers. J'ai 1400 au départ, donc ce qu'on va faire, je vais mettre 2 lasers là. L'avantage des lasers, c'est qu'ils tirent vraiment loin. Ah, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être dû les mettre sur ces bases là et pas sur ces bases là, parce que comme je viens de le dire, les lasers tirent loin. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre aussi ici et je vais tout monter au niveau 2. Je vais voir combien il me reste. Je vais monter au niveau 3. On va voir combien il me reste. Ok, pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être passer après sur des tirs de zone. Et on continue par monter ici. Est-ce que j'irai loin? Est-ce que je toucherai l'autre côté? Non. Donc là, on va mettre un tir comme ça. Un tir de zone que je vais monter au niveau rien. J'ai déjà fini. Allez, c'est parti. On passe en x4. On va voir ce que ça donne déjà cette configuration. Vous le savez, moi de toute façon, j'adore les lasers. Hein, donc il m'en faut un max. On repasse en x2 pour bien voir si ça passe ou pas. Bon, ils se font désintégrer. C'est assez simple. La tourelle roquette ne tire pas encore hein. Là elle va commencer à tirer. Est-ce qu'elle va réussir à les avoir tous? Hop là, on va la monter un petit peu pour être sûr qu'elle éclate tout le monde. Ok, on a vu, ça a commencé quand même à passer hein. Donc ce qui veut dire, c'est pas forcément le top top top. Si on était au max, ça ne passerait pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des tourelles ici standard qui vont faire des dégâts de zone. Vous voyez hein, ça passe. Alors évidemment j'ai mis des tourelles. Après on va ralentir parce que j'aimerais pas que ça passe. On va devoir mettre un petit peu plus forcément de tourelles ou un petit peu plus de puissance. Vous voyez ici je mets des tourelles explosées. Et ça commence à sortir de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi qui sort hein, c'est du lourd. Et alors vas-y, éclate-le encore, 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 encore. Vas-y. Et il l'a eu, c'est bon. Ici il va falloir que je mette un laser hein, forcément. Parce que sinon ça va passer, le mec il est bien balèze hein. Ça commence à être compliqué, je sais pas si c'est une impression. Mais ça commence à me paraître un petit peu tendax là de ce côté là. Il va forcément falloir que je mettrai bien une tourelle qui ralentit. Non non, vous passez pas les mecs, faut pas rêver. Allez allez, tire. Ça va être chaud, ils vont passer. Bon,
on fera pas déjà un perfect à cette première partie là. Donc on a vu ce qui nous pénalisait grandement, c'était le manque de puissance. Et c'est que du balèze hein, qui sort là. Donc on va commencer à renforcer au niveau des lasers. Est-ce que les lasers sont finalement pas la mauvaise stratégie? Cette étoile que j'ai mis au départ, est-ce que c'est une mauvaise stratégie ou pas? C'est la grosse question là. Il va falloir que je renforce, il faudrait que je marque un peu plus de points, il va falloir que je monte en niveau. Ce virage là, j'ai peut-être un peu fait n'importe quoi là en bas dans la précipitation. Mais c'est quand même relou et je pense pas que j'avais un milliard de solutions. Donc les lasers font quand même bien le taf. Est-ce que je monte la puissance de ça ou pas? Allez, je vais monter la puissance de ce laser là déjà. Vous voyez là déjà c'est beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Et pourtant j'ai pas rajouté énormément de puissance. Hein. C'est un petit peu relou que j'ai foiré le truc d'avant. Bon du coup je le réussirai ou j'essaierai de le réussir après. Le laser fait le job ici. Je peux augmenter... Est-ce que je mets soit un ralentisseur dans le virage, soit je vais mettre... Allez, je vais mettre un ralentisseur et je vais augmenter la puissance de ça. Ça commence à devenir bien chaud. On est à la vague 4 sur 5 seulement. Ça commence à bien enchaîner. On va ralentir encore davantage ici. Ça me paraît pas mal. Hein. On n'est pas au max, mais ça me paraît pas mal du tout. On va augmenter encore ça. Ça devrait le faire, je gâche pas, hein. J'attends vraiment avant de monter, j'essaye d'accumuler la puissance, on est toujours en vague 4 sur 5. Hein. On n'a pas encore atteint la vague 5 sur 5, ça commence à être très très chaud, regardez là, le chien passe, tout commence à passer, là il faut combien pour monter niveau 4? Il faut 312, c'est super cher, et bah écoutez, on va le faire, on va voir si ça fait le taf, mais là ça passe, là c'est relou, ça commence à passer... j'ai peur pour la suite les amis, j'ai peur que ça ne soit pas suffisant. Écoutez, je vais mettre encore ici un niveau 4, on est en vague finale à présent. Bon, on fera pas un essai parfait sur celui-là, mais c'est vraiment dommage, hein, ça s'est joué à rien. Si on arrive à contenir cette vague et que rien ne passe, ça sera vraiment passé à rien. Et on va refaire donc la même install, mais en tâchant d'être plus performant sur ce virage. On va voir ce que j'arrive à faire. Je vais ralentir au maximum ce côté-là en le montant niveau 3. Le petit cafard, là, le petit scarabée, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc bien relou. Tout a été bien éliminé. Ça ne passe plus pour le moment. On va monter encore davantage. Niveau 4 ici. On va tâcher de faire encore du point. Est-ce que je peux encore monter d'un côté? Non, pour le moment, je garde. Je pourrais montrer ça, mais pas tout de suite, tout de suite. On est déjà en niveau 4. Ça commence à être vraiment, vraiment très, très chaud là. Je ne sais pas si tout le petit taquet là, on va réussir à le détruire. Ça va être très tendu. Ça va dépendre surtout de ce virage en fait, hein, de voir ce qu'on va réussir à faire. Est-ce que j'augmente ou pas ou est-ce que je garde? Je vais attendre. Est-ce que je peux augmenter la portée là? Ouais, je vais attendre d'être à 312 et du coup, je vais augmenter parce que pour le moment, ça tient. C'est assez relou, mais pour le moment, voilà, je viens de claquer là. Pour le moment... c'est tendu, mais ça tient, ça ne passe pas. Ce ralentisseur de niveau 4 dans le virage a l'air de faire le taf. Je passe en niveau 4 de roquette aussi ici. Imaginons que ça passe. Ça commencera à faire le taf un peu avant. Et je vais conserver les points. Oh là, il y a le boss là-bas. Il y a le méga boss. Il faut que je passe en niveau 4 là pour le ralentir au maximum. Parce qu'il va super vite. Il va très, très, très vite. Ça, je vais le détruire. Ça, il faudrait que je mette un laser plutôt... j'ai envie de mettre un laser plutôt, ça va se jouer à ça, je vais mettre un laser plutôt ici, on va mettre un laser et je vais l'upgrader au niveau maximum que je peux le mettre niveau 4, du coup je mets un laser, il ne peut pas tirer de l'autre côté, c'est dommage, parce que si ça passe, il faut que je désintègre, et encore une fois derrière j'ai un lance-roquette qui ne sert à rien, ça va être bon, je vais contenir la vague, donc on va faire un 2 étoiles, je pense que ce niveau là, on devrait réussir à le driver, si j'avais pas foiré ce petit passage, on aurait fait 2 étoiles, alors on va recommencer tout de suite et je pense là ça va passer, donc on aurait failli le passer du premier coup, ça aurait été énormissime les amis si on avait réussi à faire ça, mais non on n'a pas réussi, c'est dommage, on va monter, 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 je me suis laissé surprendre dans le virage, alors attendez, là je mets une pause, est-ce que je passe niveau 3, allez on passe niveau 3, tac, 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 et c'est peut-être là qu'il faudrait que je tire pour pas me faire avoir et mettre un laser directement ici aussi en quatrième position. Est-ce que je mets un laser ou est-ce que je mets un truc qui fait des dégâts de masse? Grosse question là. Grosse, grosse question parce que le laser il a bien fait le job. Allez, on va mettre un truc qui fait des dégâts de masse ici. Et je vais mettre un petit laser ici et je peux le faire. Donc on va partir là-dessus pour le moment.
C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait comme ça. Hein. Rappelez-vous, ce round-là, cette machine-là, le lanceur de roquettes, je l'ai mis au niveau 2 plutôt que de mettre un laser à côté. Donc ce qu'on va faire, on va renforcer sur le laser parce que j'ai quand même l'impression que c'est ça qui a fait la différence. Et ici, je vais mettre déjà direct un laser. Je cherche pas à monter les trucs un petit peu naze qui tirent moins fort. Mais il va quand même me falloir un petit peu de dégâts de zone. Donc dès que j'ai 84, voilà, on monte à 84. Le prochain que je vais monter, ça va être celui-là. Ou sinon, je mets un ralentisseur directement ici. On peut tenter le ralentisseur directement ici. On va attendre quand même avant de le mettre. Je vais monter celui-là niveau 2. On va faire un petit peu de points. Et je vais passer un ralentisseur dans le virage. Ça devrait faire le job. Ça devrait. Il est passé ou pas? On va repasser en x1. S'il est passé, ça va être très tendu. Il est passé. Donc du coup, comme il est passé, tout à l'heure j'avais mis un lance-roquette ici, mais il n'avait pas vraiment été utilisé. Ce que je vais faire, je vais mettre un laser ici. Et est-ce que je peux mettre le ralentisseur? Non, je ne peux pas mettre le ralentisseur. Est-ce qu'il va l'achever le laser? Le laser devrait faire le job. Le laser va faire le job. Et là, maintenant, je mets un ralentisseur. C'est serré hein, ce début de partie tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, rien n'était passé, mais j'avais mis plus de lance-roquettes. Ce qui m'avait fait défaut, c'était lui. Le gros qui va faire plein de petits après, c'est lui qui m'avait fait la misère. Donc du coup, voilà, je ralentis au maximum les petits. On met un laser qui fait le job normalement. Le cafard va me poser des problèmes, c'est sûr. Ce cafard va bien me saouler. Il va me falloir forcément. Enfin, je dis forcément, mais non, peut-être pas. J'aurais peut-être pas besoin de lance-roquettes et je vais pouvoir économiser sur la fin. Mais en tout cas, il va falloir que je monte les lasers. Là, il va pas avoir le choix. Parce qu'il va avoir du lourd qui arrive. Pour le moment, ça va, ça tient. Les lasers font le job. Je vous l'ai dit, hein, depuis le début que j'ai commencé à jouer à Smut Tower Defense, j'ai bien compris que les lasers, c'était la vie. Et tout se passait, en tout cas beaucoup se passait au niveau des lasers. Il fallait avoir souvent beaucoup de lasers très puissants. Vous voyez, le prochain qu'il faut que je monte, c'est celui-là. Parce que cette zone-là, ça ralentit bien. 156 pour monter. Est-ce que je ralentis plus? 182 pour monter. Je pense qu'on va partir sur ralentir davantage. On a un gros qui sort, une sorte de mini-boss qui sort, qui sont annoncés par une tête de mort. Si vous n'avez jamais remarqué, est-ce que j'augmente davantage le laser là ou est-ce que j'augmente le taux de ralentissement? On va augmenter le taux de ralentissement et de petits dégâts hein, sur cette zone-là. Ce qui fait que ça devrait faire le job là-bas en haut. Hein. Les sorties en haut, il y a de la masse, c'est très très relou. Et c'est pas grave, on doit faire avec. J'augmente le deuxième laser. On n'est pas parfait, hein, loin de là, sur cette. Je suis moins à l'aise que tout à l'heure, je trouve. Mais il va falloir réussir à augmenter les lasers encore. Là, il va falloir commencer à faire un max de points. On passe cette tour en niveau 3. Les lasers font le job. Les roquettes font le job. Ça a l'air d'être pas mal. Le prochain laser, c'est celui-là. J'aimerais le passer en niveau 4, celui-là, pour qu'il tire, qu'il fasse mal à beaucoup sur une grosse zone. Pour le moment, j'ai pas assez de points. C'est 312 points. Le gros, faut l'éclater le plus vite possible. Il fait plein de petits. C'est ultra relou. Voilà, je le passe tout de suite. Et vous avez vu quand il a éclaté tous les points que ça m'a rapporté. C'était énorme. Voilà, on a viré les balaises. Maintenant, on est. Ah, c'est vraiment, vraiment ultra relou là. Je sais pas si. Ouais, je vais tous réussir à les latter. Mais c'est quand même chaud. Le boss aussi ne va pas passer. Je passe ce laser en niveau x4. Il va pouvoir tirer de plus loin. Celui-là aussi, il va falloir que je le passe en x4. Ou celui-là. Celui-là, il est bien positionné en x4. Ça ferait plaisir normalement. Donc celui-là en haut va passer en x4 dès que je suis à 312. Allez, donne-moi 312. On est déjà à la vague finale. On est resté qu'en x1 en fait. Je suis tellement en stress que c'est tellement chaud que je suis resté en x1. On va passer en x2. Et cette fois, est-ce que ça va le faire? Ça devrait le faire. Ça s'annonce pas mal, il n'y a pas encore le boss qui est sorti. C'est là que tout va se jouer à la sortie du boss. Donc dès que je peux passer celui-là, voilà, celui-là, je le passe en x4. Faudrait que je marque un maximum de points pour passer ça aussi en x4. Et ça le ferait. Je crois que je peux le monter niveau 4. Ouais, il me faut 364. On y est presque. Voilà. On est au dernier niveau x4. Hein. Il y a le gros qui va éclater. Quand il va éclater, peut-être taper une pause pour augmenter quelque chose d'autre. Lequel j'augmenterais? Celui-là, je l'augmenterais bien en x4. Ça ferait bien le job s'il passait en x4 celui-là. Hop là, voilà. x4 aussi. Ça tient bien. Ça tire bien pour le moment. On est propre. Allez, on va augmenter celui-là parce qu'il fait du bien sur la zone. On va augmenter ces lasers là aussi. Normalement on devrait être bien. Je vais conserver du point là parce que ouh, le boss va peut-être passer. Le boss va peut-être passer. Le boss, non il passera pas. C'est bon, c'est bien ralenti. Ça tient bien, ça tient bien. On est propre là. Personne ou presque à part au tout début n'a réussi à passer cette tourelle niveau 4 hein. Donc on est bien. Bah voilà, on va réussir à finir avec pas mal de cristaux en stock. 1251.
un niveau moins difficile que les précédents, je trouve. On a bien géré et vous connaissez maintenant l'astuce, cette croix de laser au milieu et après aussi deux lasers et qu'un seul lance-roquette. Vous avez vu, hein, j'ai tout fait qu'avec des lasers, un seul lance-roquette et un ralentisseur dans le virage. Un level propre, easy peasy, donc facile, un jeu d'enfant. Et on va voir à présent, dans une prochaine vidéo, le niveau 15 difficile. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos astuces pour le futur niveau 15 ou vos astuces, vous, pour réussir le niveau 14 si vous n'utilisez pas les lasers. Et surtout, comment vous faites pour ne pas vous faire raser chaque semaine? Moi, je me fais tout le temps dépouiller mes ressources. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Edge of Z.